un très célèbre personnage, pardon-moi, le réveil a sonné, rend conscient ton inconscient ou subconscient, appelle-le comme tu veux, parce que sinon c'est ton subconscient, ton inconscient qui va guider ta vie, tu vas l'appeler destin ou sort. Okay? C'était Carl Jung ou pour certains d'autres, Carl Jung. Je t'embrasse, à la prochaine du docteur Claudio Saracino. Et surtout, n'oublie jamais que il faut croire à soi-même. Parce que si on croit à soi-même, on va croire même aux proches. Et si on croit aux gens qui nous entourent, la vie est plus belle, plus solaire. Et croire, ça veut dire, ça va pas dire se faire tromper. Attention, hein, parce qu'il ne faut pas confondre confiance pour être, comment on dit, pour crédulité. On a confiance, c'est une chose. Croire à n'importe quoi, c'est une autre chose. Je me réfère à la confiance tout court, à la confiance qui nous rend heureux, qui nous rend tranquille, qui nous rend calme, qui nous rend sûr de nous-mêmes. Okay? Je t'embrasse, docteur Claudio Saracino. Suis-moi, pose-moi des commentaires, écris, pas seulement en privé, mais surtout en public pour inspirer les autres. N'importe quelle question, même la plus banale, je vais te répondre gratuitement. Je t'embrasse, à la prochaine. Docteur Claudio Saracino, ciao.